Alors, on y va pour le décompte de cette impro, messieurs, dames, vous aussi derrière votre ordinateur, votre petit PC, votre petit MacBook. On est prêts. 5, 4, 3, 2, 1. C'est du bruitage de chaussettes. Enfin, je m'appelle pas Guillaume, hein, un bruitage, un bruit de fond, je suis un peu léger, quoi. Nous sommes dans cette soirée de Noël. Les enfants sont bientôt couchés, ils viennent de poser leurs chaussettes sur la cheminée. Ah, la chaussette vient de brûler. La chaussette vient de brûler. Ils n'auront pas de cadeaux, les enfants se mettent à chialer, sortez les Kleenex. Fin de l'impro, merci beaucoup, mais vous avez oublié les piments. C'est le piment, c'est quand la chaussette a brûlé, c'est le côté brûlant. J'étais métaphorique, évidemment. Putain, si Julien, si toi-même tu suis pas ce qu'on fait, toi, ouais. Comment tu veux que ça fonctionne? On vient de passer, et on me le dit dans l'oreillette, à 112 auditeurs, c'est pas assez, c'est vraiment moi, pas assez. Dans mon oreillette, on me dit... Et pourquoi Maëva ferait pas une impro? Tiens oui. Eh ben oui, une voix féminine. Voilà. Ouais. Pas mon job mais. Non mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va te donner des mots, nous aussi. Hein c'est pas mais ce sera pour moi, ce sera moufle. Moi ce sera écran. Et François, tu lui proposes Only Hit. Only Hit. Moufle. Only Hit. Écran. C'est parti et je vais t'accompagner comme sur les bruitages. 5, 4, 3, 2, 1, impro. 3 dehors. J'ai pris ma paire de moufles. Pour aller à Andy. C'est le bruitage des moufles, ça ressemble aux chaussettes. C'est assez proche, hein, c'est pour vraiment les spécialistes qui repéreront la différence. Fais le bruit du pouce. Dans le moufle. Dans les moufles, tu vois, t'as juste le pouce et la main. Mais genre le pouce qui touche le mouf. Hey Maëva, tu travailles. Oui, bah... Tu fais vachement bien le pouce qui touche le mouf. Franchement. Ouais, j'étais moufliste pendant. Oui, donc. Il fait froid. Nous sommes en 1964. Une jeune femme sort de chez elle. Avec ses moufles. Elle monte dans sa voiture. Mais malheureusement, elle tombe en... Elle décide donc de prendre le magnifique tramway qui sera là le 12-12-2012. On est en 1664. Oui, mais non, mais je fais juste le bruit du tramway. 1964 pour 1600. Bah ouais, c'est le même. C'est qu'en 2000 que ça a changé le bruit du tramway. Ensuite, je vais pas faire un tramway pendant des heures. Je pense qu'on va perdre les. Le trajet, heures. Le trajet, tu vois, assez longtemps. Ok. Parce que... okay. Vous êtes arrivé. Génial. Ouais, je sais, c'était le premier. Le tramway parlait comme un GPS. Ouais, c'est ça. Cette femme descend du tramway. Et là, elle arrive devant, non pas une maison bleue, une maison rouge. Ah, oh, c'est dégueulasse. Non, toi, tu fais les bruitages, oui. Pas les mains. Ah! C'est à toi de prendre la suite. Bah, Eva, à un moment c'est, donné, c'est une histoire commune. Donc, j'arrive à cette superbe bâtisse où se trouve le siège de Andy Hit. Eh oh, c'est quoi le bordel? C'est la même chose. Ah, joli, belle imitation. Enlève tes pompes! Éteins la lumière! C'est la dernière émission de Andy Hit. Parce que la régisseuse est en dessous, elle entend tout. Et je pense que c'était sa dernière émission. Arrêtez de vous foutre de ma gueule! On va vous buter. Je suis en train de regarder Loulou la brocante! On entend les pas dans l'escalier. C'est la fin, les gars. De toute façon, nous, on balancera Antonin. Bravo, Maëva, très belle improvisation. Bravo, Maëva. Vous avez toi aussi, compris. Tu es derrière ton ordinateur, tu peux faire une impro. Tu
feras tout seul. Mais tu peux la faire quand même. Et Bastien t'aidera dans les bruitages. Comme de toute façon, c'est toujours les mêmes bruitages. Quoi qu'il se passe. Donc voilà, Maëva vient de faire sa première impro. Et Maëva, comment tu t'es sentie? C'était une expérience inoubliable. So come on, see me.